Ne sentiriez-vous pas un air de... J'ai déjà vu un petit peu. Et oui, pourtant nous jouons bien à... attendez, on va la refaire. Autobahn Racer 2. Donc, un jeu qui utilise la jaquette de Paris-Marseille Racing, sauf que c'est sorti en Allemagne. Et c'est le même jeu en fait, sauf que c'est avec d'autres voitures et avec un autre environnement. Incroyable, les Allemands avaient droit à leur version spécifique de Paris-Marseille Racing, sauf que là ça s'appelle Autobahn Racer 2. Donc autoroute, course de l'autoroute 2. Et déjà vous allez voir si vous avez vu la vidéo avant, c'est pour ça que j'ai fait celle-là, la suite de la première. C'est que ben, on va avoir quelques petits trucs en plus, enfin en plus totalement différents du premier. Et on va commencer par le garage. On va voir le showroom. Donc on peut kaufen, donc ça veut dire acheter. En début, on commence avec une petite Smart, mais on peut acheter si on veut une Sprecher 912, donc qui coûte 95 000 Deutschmark. On peut acheter une Opel Astra, hein, il faudra comprendre Opel Astra, mais c'est une Opel Astra pour 28 000 Deutschmark. On a une Beetle par contre qu'on avait déjà dans la version française. On a une Z3 qu'on a toujours dans la version française. Et on a une Orange TT, donc une Audi TT. Et c'est tout! Voilà comment faire un jeu dans les pays qu'on souhaite en fait, tout juste en changeant les modèles et la valeur de l'argent, puisque le retour de Deutschmark, et j'espère évidemment les maps. Donc nous, on a juste 2000, donc on va garder notre voiture, sauf que comme dans la version française, on va l'améliorer directement. On va améliorer donc, bah là c'est simple, on a 2000, donc on va faire ça plus ça. Et quoique, on va commencer directement par améliorer ça, parce qu'elle a l'air pas très rapide. Voilà, on va faire OK. Donc je vous ramène à la vidéo d'avant, évidemment, de Paris-Marseille Racing, si vous voulez comprendre le jeu, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué si vous ne l'avez pas vu. Non, je ne veux pas sauvegarder sur les memory cards, merci. On a fait donc 0%, alors Shaden, c'est dommage, voilà, pour traduire un petit peu. Je trie que c'est le circuit. Et donc on va faire directement start, tant qu'à faire. Et donc on commence à Hambourg. Alors j'imagine qu'il y a aussi une version espagnole peut-être du jeu, peut-être une version biélorusse ou une version albanaise. Et là c'est parti donc avec toutes les voitures qui vont démarrer. Et c'est parti. Alors est-ce que cette version sera plus réussie que la version française? Alors déjà au vu de la voiture, regardez les mouvements de caisse de la Smart. Alors c'est logique, hein, c'est une petite voiture, mais c'est n'importe quoi. Mais on va voir s'il y a plus ou moins de bugs que la version française. Ah, je me suis fait flasher par un radar allemand. Mais j'ai pas l'impression que c'est eu un effet. J'ai pas l'impression d'avoir les flics derrière nous. Et donc bienvenue à Hambourg, hein, pour ceux qui reconnaîtraient cette ville. Pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire, j'imagine qu'ils ont pris quelques bâtiments ressemblant à la ville d'Hambourg. Bon, le maniement évidemment est le même, on a le même menu en bas avec le Schatten Turbo, c'est juste traduit en allemand. Avec Position et Runde ein sur je sais pas comment on dit, sur 2. On a un petit effet lens flare bien sympathique. Alors je sais pas vous, mais j'ai l'impression que le clipping, bon, est toujours aussi dégueu. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins de bugs sur les bords de piste par rapport à la version française. C'est quand même un peu plus... Je sais pas, on dirait qu'ils ont corrigé ce bug. Alors est-ce que je peux aller là? Non, je ne peux pas. J'ai toujours la même vue arrière. Les IA, enfin les IA, les usagers de la route ont les mêmes voitures par contre que la version française. Et donc ce jeu va principalement intéresser les Allemands et pas forcément les Français puisque bah, nous on ne le reconnaîtra pas spécialement. Et j'ai pris un mur, c'est magnifique. On va peut-être se faire attraper par la Beetle, non, c'est bon. Alors là on a deux tours à faire, c'est pas un point A, un point B. C'est vraiment le même tour. Alors c'est marrant parce qu'il nous double d'un coup, puis regardez, il a freiné d'un coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est arrêté net devant moi, alors là je vais encore casser un peu ma voiture. Dégâts que l'on ne voit pas visuellement, hein. On voit juste le choc, mais on voit pas la voiture se casser.
Et là je prends des flashs, mais je sais pas à quoi ça sert par rapport à la version française. Normalement c'est une petite différence. Bon, j'imagine que cette vidéo sera aussi courte que la vidéo sur le Paris Messier Racing français. Puisque parce que j'imagine qu'il y a autant de courses. Enfin, si j'ai comparé la taille de l'ISO, enfin ouais, du jeu. Par contre c'est sympa, là on passe un petit peu sur les canaux, c'est plutôt sympa. Si on compare la taille du jeu de cette version par rapport à la version française, il y a 10 mégas d'écart. Hein. Et le jeu est super léger pour un jeu Play 1, puisqu'on est à peine dans les 140 à 130 mégas. Alors qu'en moyenne, un jeu Play 1 fait à peu près entre 400 et 600 mégas. Ah là, la police est là, la polizei. Et je me suis pris un mur. Alors, est-ce que les flics vont se retrouver avec une voiture différente en française? Oui, j'imagine. Et je me suis fait arrêter! Ok, donc c'est un premier avertissement. Et au deuxième, si je peux sortir de là, je ne peux pas, bien entendu. Ouais, merci, je fous moi dehors, je te dirai rien. Au deuxième avertissement, eh ben, on sera normalement, je crois, arrêté. Comme ça, on prend une pénalité, je crois. Une prune. Donc les policiers qui n'ont pas les mêmes voitures que les voitures françaises, là ils ont fait vraiment exprès de ne pas prendre les mêmes modèles, ce qui est logique puisqu'en Allemagne ils n'ont pas les mêmes. Letzte Runde, dernier tour. Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir fait allemand? Pour une fois que je peux utiliser l'allemand dans une vidéo, bah dis donc, autant en profiter. Par contre regardez, les mouvements de caisse de la voiture sont... Alors ça c'est drôle, hein. Il nous double, il se met à notre hauteur puis après il se casse. Bon, au niveau graphique, c'est quand même un peu mieux, légèrement mieux. Ça reste toujours les mêmes moteurs de jeu, mais... Ouais, pourquoi là, par exemple, la Beetle s'est arrêtée? Et va-t'en, toi! Mais casse-toi! Va-t'en! Dégage! Merci. Pourquoi ils se sont... Pourquoi l'IA, en fait, me double, se met à ma portée, puis après s'arrête? Ça, je comprends pas. Hein. L'IA, par contre, ils n'ont absolument pas amélioré. Et alors pourquoi je fais cette vidéo allemande? Ah, vous allez me dire, mais pourquoi tu fais pas directement Paris Marseille Racing 2? Bah c'est pas que je voulais pas le faire, c'est qu'en fait j'ai un gros bug avec le jeu. J'ai essayé de deux manières différentes. Et ben sur les deux fois, en fait, la manette ne marche pas. N'est pas reconnue. Et c'est bien dommage parce que le 2 avait l'air encore pire que le premier, mais avec beaucoup plus de choses. Alors on a eu droit à l'introduction, j'espère qu'un jour je la ferai qui est... magique. Alors franchement, ils ont fait une introduction Davidex là, mais c'est très représentatif de la qualité du jeu. Que malheureusement, vous ne verrez pas là, puisque là, on teste toujours le 1 en fait. C'est en fait Paris-Marseille Racing 1, mais version allemande. Regardez, il s'est arrêté. On sait pas pourquoi, hein, mais il s'est arrêté. Alors, Quick Service, je sais pas ce que c'est. Ah d'accord, en passant par le Quick Service... on peut réparer sa voiture, c'est bien ça, petite amélioration. Alors j'ai l'impression d'avoir vu un quick service aussi dans la version française, hein, donc ça se trouve, on peut aussi l'avoir. Sauf que la dernière fois, on n'a pas trop osé prendre les chemins escarpés, parce que vu que dès qu'on a essayé, on s'est pris un mur, j'ai plus trop envie de réitérer l'expérience. Bon, en tout cas, ça se passe bien. On va arriver à la fin du circuit, qui d'ailleurs est beaucoup plus long hein, que le premier circuit de la version française. Alors j'ai pas regardé, voilà, on a toujours les mêmes vues. On a une vue intérieure, regardez-moi ça. Quel effet de vitesse incroyable, on est à 134 km/h et derrière ça nous rattrape. Et là on a vue de dessus. Alors on peut casser certains éléments du décor, je pense qu'on peut même tomber dans le vide si on veut. Alors la musique c'est dommage, hein, ils ont pas mis Nena. Oui, je sais. Le bof moyen ne connaît que Nena et Rammstein. Du coup, on va citer que cette chanteuse et ce groupe. Ah, voilà, les flics sont là. Eins, zwei, Polizei, drei, vier, Grenadier, fume, sex, Stratekeck, Siebenhard, Kudenhard. Alors, Stratekeck, c'est un gros gâteau. Hein. Passage, ça ne veut strictement rien dire. Et donc c'est un nouveau record de course et on a gagné. Donc on a gagné 15 000 Deutschmark, ce qui est plutôt impressionnant.
Ce qui fait en euros, d'ailleurs, je crois que le Deutschmark à l'époque faisait à peu près. Il fallait 2 Deutschmark pour 1 euro, un truc comme ça. C'était une monnaie assez forte, hein, le Deutschmark d'ailleurs. Moins que la livre, mais une des plus fortes d'Europe actuelle. Et on a donc Rudolf qui a fini 3ème et Peter qui est 4ème, alors que Mario, l'italien, s'est terminé en 2ème position. Alors regardez, c'est beaucoup plus long, hein. On a Hambourg, Hambourg-Berlin, Berlin-Dortmund, Dortmund-Frankfurt, Frankfurt à Main, München, München-Vienne et Vienne. Donc on peut tomber jusqu'à Vienne carrément, on va en Autriche, ça c'est bien. Alors München c'est Munich, voilà, au cas où. Mais je sais, je me la pète, désolé, mais bon en même temps, que voulez-vous faire d'autre? Alors j'ai que 4% de dommages, est-ce qu'on peut garder la même voiture et se dire qu'on va en acheter une autre? Ça pourrait être marrant. Par exemple, la Beetle on l'avait achetée dans la version française, mais on pourrait prendre par exemple une Opel Astra ou... Ou économiser pour une Z3 ou une Orge DD. 68 000 la Orge DD. Alors là j'ai 17 000 par exemple, si je la vends on pourrait avoir à peu près 30 000, donc il faudrait le double. On va garder cette voiture pour la prochaine course. Et on va voir si on peut... j'ai bien envie d'améliorer la tenue de route quand même un petit peu. Enfin, j'hésite quand même. J'hésite. On gagne plus d'argent par contre que la version française, j'ai l'impression, hein, par rapport au coût des pièces. On pourrait gagner... Ouais, 1500 c'est pas beaucoup. Donc on va faire ça et on va faire... Bon, les pièces ça sert à rien. Allez, on va laisser comme ça. Donc on va faire non. Et on va donc passer à l'étape Hambourg-Berlin. Berlin. Et c'est parti, là, sur l'Autostrasse. Ou l'autobahn, pardon. Pourquoi il s'est arrêté? Pourquoi il s'est arrêté? C'est quoi cette IA de merde? Et ces flashs, on sait toujours pas à quoi ça sert. Alors on a des camions, par contre. Je crois qu'il n'y en avait pas hein, dans la version française. Donc l'autobahn, comme vous le savez, en Allemagne, enfin du moins une partie des autoroutes allemandes ne sont pas limitées en vitesse, donc on peut faire 300 si on veut. Regardez les flics sur ce côté. Oh là, on s'est magnifiquement fait flasher. Du coup, ils vont aller nous chercher. Aïe, ils se sont arrêtés. Je suis bloqué. Au secours. Comment j'ai pu me faire arrêter? Alors il y a un petit compteur 1.30. Non ça va, j'ai réussi à pas me faire arrêter cette fois-ci, ils sont quand même pas mis la même. 1.22, 1.21. Alors, Zeitwerung. Alors ça par contre je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors ça s'étend. Non oui c'est checkpoint en fait. Voilà, c'est là checkpoint. Et voilà, je peux pas aller là par exemple. C'est là checkpoint. Parce que Zeit c'est le temps, alors j'imagine que c'est le checkpoint, puisque vous voyez on a 2 minutes 20 pour passer au prochain checkpoint. Je fais doubler par tout le monde. Et voilà, une fois qu'il m'a doublé, il s'arrête. Il passe à mon niveau. Et après je double. Attention! C'est bon, je vais couper la route. Et je vais pas trop mettre derrière l'IA parce que l'IA a tendance à s'arrêter toute seule. Je sais pas pourquoi. Aïe! Aïe! Alors je trouve que les dommages sont un petit peu moins présents que dans la version française. Vous voulez voir en bas la petite barre parce qu'on est à peine à. J'ai tapé pas mal de fois et la voiture a pris à peine des dommages. Je me suis poussé, c'est magique. Là, il y a un petit peu de travaux. Et on a un quick service qu'on va aller prendre. Alors, le quick service, on peut aller le prendre. Okay. Et quand on va ressortir, logiquement, la voiture sera réparée. De toute façon, on passe pour la voiture devant nous, bah, c'est ce qu'on vient de faire, magnifique. Finalement, cette fois-ci, on s'est pas fait arrêter alors qu'on était à 2 à l'heure. Et encore un checkpoint. Non, ça va, je suis passé par là. Ouf, je suis passé sous le bus. La collision qui a pas marché du tout. Alors, je trouve le jeu bien mieux que la version française pour le moment. Les circuits sont un peu plus sympas. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de police. Il y a aussi le fait qu'il y a un checkpoint. Les voitures qu'on propose. Bon, là, la Spar, c'est dégueulasse, je vous l'accorde. Et j'ai toujours pas de turbo par contre, peut-être que j'achète un turbo. On est en première position. Ah, attention, il s'arrête.
Bon, à part les problèmes de l'IA qui sont un peu plus. L'IA qui semble encore plus mauvaise que la version française. Est-ce que je peux aller en contresens, tiens? Non, je peux pas y aller. Il veut pas. Il veut pas. Voilà, je l'ai vu arriver, donc je lui ai coupé la route. Et c'est un nouveau record de course. D'ailleurs, si je l'avais pas bloqué, ben on n'aurait pas gagné la course. Donc on a gagné 15 000 crédits, donc on a 27 000. Alors on va un petit peu économiser pour voir si on peut. Alors pour l'instant, au niveau des temps, on est à 20 secondes d'avance sur Mario. Si on peut acheter notre nouvelle voiture, ça pourrait être sympa. On va voir le garage du coup. Ah, par contre, maintenant pour la réparation, ça coûte la peau des fesses 7 000. À 36%. Est-ce que j'achète un truc à 3000? Ouais, ça pourrait nous aider d'avoir un truc à 3000. Mais ça, en fait, j'ai plus l'impression que c'est un pot d'échappement. Hein. J'ai l'impression que c'est un turbo. Turbo Wirklich Kaufen, ok. Bon, on va le prendre. Hein. On va faire ok. Et on va passer donc à la suite. Donc, la prochaine course qui va se dérouler à Berlin directement. Là, on aura un petit turbo. Ça, ça va être plus sympa. Oh! Ah, bah, on passe par le. Ouais, c'est un monument connu à Berlin d'ailleurs, au passage. Je sais plus comment ça s'appelle cette tour. Je pense qu'on va passer par la porte de Brandenburg, j'imagine. Attention, on a les flics sur les côtés. Et voilà, on s'est fait choper. Ouais, beaucoup moins de défauts au niveau des graphismes. Ça, c'est une première bonne nouvelle. Bon, est-ce que ça en fait un jeu bien? Non. Mais ça l'améliore un peu, quoi. Je veux dire, ils ont un peu pris compte. Bon, par contre, les dégâts dans les arbres, ça ne marche toujours pas. Alors là, ça se rétrécit. Bon sang, les mouvements de la voiture là. C'est scandalant. Allez, on change la vue. Histoire d'avoir une impression de vitesse énorme. Regardez-moi ça. C'est là qu'on voit que le maniement est assez dégueulasse. Parce que quand on tourne, on a l'impression d'être dans un. Ça fait penser un petit peu quand on manie le scooter dans. Dans GTA Vice City, avec les mouvements de caisse en moins dans la vie embarquée. Là, on a une vue de super loin. Oh, il nous a dépassé d'un coup. Mais c'est pas grave, puisque dès qu'ils nous ont dépassé, ils vont ralentir. Alors là, c'est carrément. Bah, il s'est arrêté, magnifique. Voilà, il y a vraiment. Non, c'est pas par là qu'il faut aller. C'est bien ce que je pensais. C'est pas grave, on va utiliser un peu de turbo histoire d'accélérer un peu. Voilà. On va avoir 50% de dommages. Ce bruit du turbo, toujours immonde. Et voilà. Et bien entendu, la tour de Brandenburg. Voilà, que voici. Aïe, c'était autre chose par contre. Alors, on a la police aux fesses. On va essayer de passer. On voit que les voitures se mettent sur le côté, par contre, une fois que les policiers nous attaquent. Alors, par contre, ils me détruisent la bagnole. Et ça, ça me fait pas plaisir du tout. Je vais faire comme si je n'avais rien vu. La scène parle d'elle-même. Il m'a bien moché la voiture, hein. Je pense que du coup je vais être obligé de réparer, ça va me coûter mais 15 000 de schmark tout ça. Et
Bon, en tout cas, on peut imaginer que le jeu a une durée de vie plus longue. Encore ? Ah, mais tuez-moi, au secours, quoi. Dernier tour. Alors là, j'ai deux choix. Je peux passer par là pour en profiter. Ouais, ça a marché. Ça, c'est bien. On a pu s'esquiver. Parce que là, niveau dommage... Ouais, je dis ça et je m'en reprends juste après. Bon. Mais il est abruti, c'est qui ça? Ah, il va me la flinguer la caisse, c'est obligé. Alors là, je vois plus rien avec la traînée de fumée. Alors c'est marrant parce que les flics autour de moi, ils vont me chercher. C'est juste la voiture tout à l'heure qui me suit. Et voilà, on a réussi à l'esquiver. Alors par contre, est-ce que je vais pouvoir arriver jusqu'à la fin? Sachant que je ne vois absolument rien. C'est un miracle, depuis tout à l'heure j'arrive à esquiver les voitures, mais on voit que dalle. Hein. Surtout qu'après on va avoir... Ah, il y a le quick service. Eh ben voilà, j'ai explosé ma voiture. Ah, ah bah c'est pas le pied. Eh ben voilà, bah on a... Ah non, on revient quand même à Berlin. Ah, donc on la recommence. Ok, donc on recommence la course. Bon, est-ce qu'on recommence la course vraiment là ou... On a 24 000 Deutschmark. Est-ce qu'on répare la voiture? Est-ce qu'on prend un moteur encore plus puissant? Bon, ça coûte que 3500, hein, tant qu'à faire. On met des pneus, voilà. Et on va pas réparer la voiture, tant pis, on va faire ok. On essaiera juste de faire un peu plus gaffe que par rapport à tout à l'heure. Et on va faire départ. Bon. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Allez, on est reparti. Donc normalement, on devrait aller un peu plus vite maintenant, quand on a quand même amélioré la voiture. Alors oui, je peux pas couper pour autant, hein. Je suis obligé quand même d'aller à gauche, à droite, mais... là, je peux traverser, par exemple. Mais il y a des fois, je peux plus. Voilà, là, elle est pour moi, là. La prune, elle va être pour moi, il va aller chercher que moi. Ah bah voilà, n'importe quoi. J'ai voulu éviter la voiture, bah en fait ça servait à rien. Je pourrais pas passer là. Comme c'est une IA en même temps, ouais. Alors là on s'est flashé une fois, du coup la police ne nous fait rien. Mais je pense que la prochaine fois... Ils vont pas nous laisser tranquilles. Alors c'est fou, hein, y a que deux tours, mais cette course me paraît interminable. Ouais, là par exemple, il y avait une heure de repos justement, mais je l'ai complètement loupé. On peut prendre le chemin du tramway, j'ai l'impression. Même si ça sert à rien. Bon, j'ai pas parlé de la musique. Rien à dire en fait sur la musique, vraiment. En même temps qu'on est plus rapide, ça va être plus difficile pour eux de me rattraper. Ah, attention, pas de bêtises, on passe par là. Ah, ils ont de la chance à Berlin, hein, parce que s'il y a aussi peu de gens sur la route, pour le boulot, ça doit être tranquille le matin.
Elle nous a redépassé, mais c'est pas grave, ce n'est que le premier tour. Ah là, j'aurais dû passer sur le côté, je les aurais esquivés. Ah mince! Les poteaux se cassent! On va utiliser un peu le turbo. Alors c'est marrant parce que le bruit du turbo, on dirait le mec qui force sur la boîte de vitesse. Eh, ils me suivent quand même, hein, les saligots. Alors faut pas qu'ils m'arrêtent. Là, il me touche, hein, concrètement, depuis tout à l'heure. Il est en train de massacrer la voiture. Vous savez combien ça coûte, une voiture comme ça? Voilà, là, je l'ai esquivé, c'est parfait. Il va revenir sur moi encore. C'est pas grave, j'ai réussi à passer. Par contre, j'ai énormément de dommages sur la voiture et en plus, je suis en train de les accentuer. Oh, c'est pas vrai. Puis ils sont toujours pour ma pomme en fait, les flics, c'est ça qui est dommage. Absolument pas que je reste derrière lui. Ah, je crois qu'on les a esquivés. Alors, il y a peut-être une technique pour pas se les... pour pas se les prendre. Ah bah si. Bon, bah c'est pas grave, hein. Je vais vous aller doucement. Et là, on a encore un flic devant. Décidément. Ah non, c'est pas un flic. Je crois que c'était un policier. Une voiture de police, mais pas du tout. Oh, mais vas-y, mais va-t'en, pitié, quoi. Ouais. La gestion des dégâts, toujours pas améliorée. Yes, on a gardé le quick service. Du coup, j'ai plus de... j'ai plus de dégâts, du coup on va pouvoir faire la course sereinement. Mais genre il m'arrête quoi. Mais vas-y quoi. Genre il me rentre dedans et ça suffit quoi. Ok, bon c'est pas grave. Bon, on va essayer de récupérer la première place. On est quasiment à la fin du deuxième tour, donc il va falloir faire vite. Heureusement, devant nous, ça rame. On a bien fait de ne pas avoir fait la réparation en fait, parce qu'il suffit d'aller en course et de ne pas la réparer. Il a réparé une fois qu'on est en course, pardon. Et voilà, on s'est fait flasher. Bon, j'ai pris un risque en prenant le contresens là. On est carrément arrivé à la fin du circuit. Non, vous ne passerez pas. Aïe aïe aïe, s'il va sur l'autoroute, il est mort. On a plus de puissance. Allez, dites-moi que c'est quasiment fini là. On a l'IA qui va me remonter d'un coup. J'ai plus de turbo pour reprendre la vitesse. Ouais, je vois la ligne droite après. Ouh là là. Ça s'est esquivé de pas grand chose. Et c'est bon, on a réussi.
Enfin, on a passé ce niveau-là. Bah, dis donc. C'était pas de tout repos. Donc, on a 35 000 Deutschmark. Donc, toujours 9. On est toujours en tête du championnat. Ok, parfait. On va passer direct à la suite. Et après, on va voir si on peut prendre une voiture après celle-là. On va faire Dortmund et je pense qu'on s'arrêtera là-dessus. Faut dire qu'à la dernière fois, on a quand même carrément fini le jeu en une fois. Hein, donc. Et il fait nuit. Tiens donc. Encore une petite nouveauté sympa. Bon, les flics, je pense qu'on va en bouffer parce que je n'ai jamais vu autant dans le jeu. Sur la version française, il y en avait beaucoup moins. En plus, le circuit a l'air complexe si on se fie au tracé affiché en bas à gauche. Eh merde, bah voilà, bah, c'est mort. Ouh, ne passerez pas. Alors, c'est bien, c'est qu'il y a quand même pas mal de décors qui sont destructibles. C'est bon, on est passé. Genre, je peux passer par là, boum, ça fait rien du tout. On a le quick service qui est à côté. Il m'a rentré dedans, super. Et c'est génial. En plus, je repars juste devant lui. Et hop, un quick service. Du coup, on a réparé à nouveau. Ouais, donc vraiment, vous embêtez pas à essayer de réparer. Réparer carrément en course. Si l'envie vous vient de jouer à ce jeu-là, évidemment. Hein, dans le cas totalement improbable. On a encore un quick service, mais il y en a partout. En plus, les quicks, ça n'existe plus maintenant. Ça a été racheté par Burger King. Je peux pas allumer les phares. Bon, à part changer la vie, on peut rien faire d'autre. Pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien se passer. Oui, bah ça va, on a compris. Alors, il y a quoi, une tour? Deux tours à faire. Et là aussi, hein, ça va être un circuit plutôt exigeant. Enfin, exigeant. Non, pas du tout. Surtout la police est plus difficile à gérer que le circuit en lui-même. Bonjour. Et voilà. Alors je me demande si en allant à 2 à l'heure on se ferait arrêter quand on arrive devant les flics. Ce serait une... Comment je peux savoir qu'il faut que j'aille tout droit? Sachant que depuis tout à l'heure quand je vais tout droit c'est pas des raccourcis. Et que je vais prendre un mur invisible. Comment je peux deviner que là c'en est pas? Eh ben je peux pas. Ce petit bonhomme a la chance, et je sais pas comment j'ai fait d'ailleurs pour passer cette voiture là. Ah, on retrouve les petits bugs de clipping là, mais bon, ça reste quand même vraiment léger. Faut aller là. Alors effectivement on a les petites flèches qui nous aident. Mais tout à l'heure c'était pas marqué qu'il fallait vraiment continuer dans le magasin. Allez, next. Prochain tour et dernier tour, puisqu'il n'y en a que deux. Et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Parce que de toute façon, vous avez bien compris le jeu à force. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Mais la version allemande est bien mieux que la version française. Voilà. Tout simplement. Et quand je dis que le jeu est un jeu français, parce que David X machin, mais ça se trouve. Le jeu n'est pas entièrement français. Parce que s'il y a une version allemande, on peut se dire qu'en fait, le jeu. Ah, ça marche, je suis passé tout seul. Oh bah non, ça n'a pas marché. Oh, j'y ai cru pendant 3 secondes. Je me suis dit, ça y est, je l'ai pris à 2 à l'heure, ils vont pas m'arrêter. Mais peut-être que... Non, peut-être que c'était pas pour moi. Peut-être que la police, ça n'était pas pour moi cette fois-ci. On va repasser. Voilà, on se... Oh, j'étais pourtant pas lent, pas rapidement là, pas rapide. Alors oui, je coupe un peu. Hein. Apparemment, le jeu m'en autorise, donc autant en profiter. Allez, on a un quick service à nouveau. Non, on va pas le prendre.
Alors je remarquais que je passe derrière une voiture, en général ça se passe plutôt bien, la police n'arrive pas trop à me rattraper. Et là j'ai pris un poteau, et à chaque fois que je prends un poteau, il y a les flics pour m'arrêter derrière. Ben voilà, on s'est fait arrêter. C'est incroyable, je fais la moindre erreur, à chaque fois le flic m'arrête. C'est impressionnant. Bon bah écoutez, c'est pas grave, on s'est fait arrêter. Bah tant pis, du coup on va falloir recommencer la partie, etc. Donc il va falloir continuer Dark Moon. On va pas le faire, hein. Je vous épargne ça. Bon, vous l'aurez compris, c'est le même jeu, la version allemande, avec d'autres voitures, d'autres circuits. Cette version est mieux réussie, concrètement, que la version française. Beaucoup plus de choses, beaucoup plus de circuits, beaucoup plus de police, et aussi quelques bugs en moins au niveau de l'affichage. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et Deutschland Uber alles, évidemment. LOL, à la prochaine, ciao tout le monde.